c'est un forum sur investissement et opportunité d'affaires en Haïti. Président républicain Jovenel Moïse proposait investisseurs taïwanais à Haïti comme une bonne zone homme d'affaires qui vient faire business dans Caraïbes là. Assistance là tient la donne divers entrepreneurs taïwanais qui travaillent sur marché international là. La maîtrise de notre surface, l'environnement, le réseau électrique national intelligent, dont les micro-réseaux, ainsi que les sources d'énergie propres. Je veux parler de l'éolienne, du solaire, de la biomasse, de l'hydroélectrique et des centrales au gaz naturel, l'agro-industrie, l'élevage et la pêche, le tourisme, le textile et la confection, la technologie et le développement urbain. Aussi, dois-je vous rappeler qu'Haïti est membre à part entière de la Caraïbe, la communauté des États de la Caraïbe, un marché important qui attire des millions de touristes chaque année. Pour parler de création de richesse, il faut gagner investissement. Il faut qu'entrepreneur ait un plan qui dit côté où vous voulez aller. Il y a un intervenant dans le forum, ça, Wilson Lalo, à travers une projection. Homme d'affaires taïwanais a eu une chance de suivre une présentation sur l'opportunité en Haïti. D'après Wilson Lalo, ce n'est pas seulement le secteur textile là qui est intéressant comme opportunité d'affaires en Haïti. Il cite 7 grandes zones d'exportation agricole en Haïti, parmi eux, département Nord et Plaine Maribaou. Ces grandes zones d'agro-exportation présentent l'avantage d'être libre de toutes les contraintes liées à l'accès à la terre, au foncier. Une assistance technique appropriée, la disponibilité des équipements de production et des infrastructures, la disponibilité de données physiques et chimiques sur les sols, la sécurité sur ces zones de production garantie par l'État et la disponibilité de l'énergie électrique à un coût préférentiel. L'État a la responsabilité de construire des réservoirs pour la distribution d'eau, les routes agricoles, la construction des systèmes d'irrigation, l'aménagement des ports, aéroports et aussi la mise en place de laboratoires de contrôle qualité pour ces produits. Le secteur privé, dans le cadre d'interventions propres ou en partenariat public-privé, en partenariat avec l'État, peut exploiter ces terres, mettre en place les technologies de support à la production, organiser les systèmes de marketing et de mobilisation du capital. Dans l'échange en termes d'affaires de pays, chef l'État Jovenel Moïse dit administration là a suivi Taïwan comme modèle progrès économique et développement dans le monde là. Journée mercredi 30 mai, délégation haïtienne prend direction Taichung, une ville industrielle qui trouvait dans le centre-ouest pays Taïwan. C'est à camper l'intérêt, président Jovenel Moïse et plusieurs autres membres de délégation ont visité le parc scientifique central Taïwan et puis suivre exposé responsable fait sous fonctionnement gros institution ça. Ce parc a été créé il y a 15 ans. Avant, ici, c'était surtout des cannes à sucre. Mais maintenant, ça devient un espace pour développer des produits avec des silicium
Ici, nous avons pu investir 40-50 milliards de dollars taïwanais avec un chiffre d'affaires de 560 milliards de dollars taïwanais, soit une croissance de 11%. Toujours dans le parc scientifique central là, délégation a découvert un centre robotique côté système technologie a très avancé. Virewon sa talra poursuivre dans l'Institut de recherche agricole côté membre délégation a gardé diverses variétés fruits au gagnant dans l'institution ça. Yon visite ki tal bout nan barrage hydroélectrique localité Mingtan. Avec yon capacité installée 2602 MW, centrale hydroélectrique Mingtan, c'est pi grand ki gen nan catégorie sa nan Taïwan. Li joue yon rôle important nan fourni énergie propre nan région.